Good morning, allez, Yidan, les Suisses, aujourd'hui, les Nishmat, Abraham, Chayin, Orber, Ben, Fortuné, Mazal, Rachamim, Ben, Rosa, Yedida, Bet, Esther, et Eliyahu, Anish. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sekhater, Chin, Perik, Zain, Mishnah, Delet. Igiya, Yovel, Velon, Igala. Akoanim, Nichnasin, Letocha. Venotnim, et Damea, Divré, Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon, Omer, Nichnasin, Avalonotnin. Rabbi Eliezer, Omer, Lonichnasin, Velonotnin. El Anikret, Sede, Retushin. Ada Yovel, Hashemi. Mishnah simple, il faut juste quelques petites introductions auparavant, à savoir, d'abord une introduction générale à celui qui vend la maison et celui qui vend son champ à une tierce personne. Il y a une différence entre celui qui vend sa maison, vous avez sûrement tous entendu parler, que lorsque on vend son terrain, eh bien le terrain reviendra au Yovel, à son propriétaire. D'accord ? C'est le patrimoine de la famille, il revient au Yovel. C'est vrai pour les champs, mais ce n'est pas vrai pour les maisons des villes fortifiées. La Torah l'a donné d'autres à la chôte en disant « Tu as un an pour acheter la maison lorsque tu vends ta maison dans les villes fortifiées. Tu as un an pour acheter la maison et si tu n'achètes pas la maison, c'est fini, tu ne récupéreras plus jamais ta maison. » On constate que la maison, elle peut plus facilement s'éloigner de la famille que le champ, le SDR. Ça, c'est entre parenthèses, on le met de côté, on aura besoin d'en reparler plus tard. C'est juste parce qu'il y a un certain parallèle ici à connaître, pour mieux comprendre la lachot de ce qui se passe ici. Là, on parle dans notre Mishnah de celui qui va sanctifier sa maison. C'est important de retrouver à partir des psukim, il y a deux sujets dans la Torah. On est dans Parashat Bechukotai, fin du livre de Vaikra. Là, on a tout un chapitre Chavzaïm, où on parle de toutes sortes de personnes qui vont sanctifier leurs choses, qui vont donner leur erer, d'où la Mishnah, la Maseret Erchim, toutes sortes de choses qui va vouloir faire un don au Beth Amikdash, comment est-ce qu'il faudra ensuite racheter les choses, comment les choses reviendront. Il y a deux sujets qui sont évoqués dans la Torah. Dans le passage de la tête de Vav, on parle de celui qui va sanctifier sa maison. La Torah me dit, lorsque tu sanctifieras sa maison, « Vijish ki agdish et beto kodesh l'Hashem, chavzayin, veik chavzayin, passage de la tête. » Dans Vaikra, donc, Veish qui a gdish et beto kodesh l'Hashem veericho akohen, bento vubenra, fachar yaricho to akohen, ken yakum. Lorsqu'un homme sanctifiera sa maison, il en fera un don pour le Bedek Abayit, pour la trésorerie du Bet Amikdash, eh bien, le Kohen, il devra lui faire une estimation, et selon son prix, eh bien, ce sera le prix à payer pour acheter. Et la Torah continue en me disant, Vima magdish igdal et beto, et si celui qui a sanctifié la maison, il rachètera sa maison. Alors, il devra ajouter le cinquième. Donc, je déduis, je sanctifie ma maison. Le gizbar, le trésorier du Beth Amikdash, récupère cette maison. Il va la vendre, il va l'estimer, il va la vendre. Si moi je viens, je rachète ma maison, je rajoute un cinquième et elle me revient à moi. Si je ne rachète pas ma maison, il y aura une tierce personne qui rachètera la maison. Et après, il restera dedans, éternellement. Il n'y a plus rien qui est précisé dans la Torah. D'accord ? Donc, là, on déduit que la Torah, elle a dit, c'est quelqu'un d'autre qui revient le racheter, ça lui restera pour lui, parce que dans les maisons, en général, on reste propriétaire de la maison éternellement quand on achète la maison, si toutefois le propriétaire n'a pas sauvé sa possibilité de racheter lui-même. Maintenant, la Torah continue là-bas, en me disant, à partir du passage Tetzain, on parle d'un autre sujet, où je ne vais plus sanctifier ma maison, je vais sanctifier mon champ. Et là, lorsque je vais sanctifier mon champ, alors c'est la halakhot qu'on a commencé à voir depuis maintenant le début du chapitre, où alors, tu vas sanctifier ton terrain. Alors, dans ce cas-là, tu auras un prix fixe à payer. Et la Mishnah et la Torah me précisent en plus que donc tu calculeras, tu déduiras du prix selon les années restantes. Lorsque tu voudras, dans le passage de tête, la Torah me dit, lorsque tu rachèteras toi ton champ, alors tu devras rajouter le cinquième. Et là, la Torah me dit, pour le champ spécialement, et s'il ne rachètera pas le champ, il ne libérera pas le champ. Et si le gizbar, le trésorier du Beth Amikdash, va vendre le champ à quelqu'un d'autre, il ne le récupérera plus, il l'aura perdu. On en avait parlé dans la Mishnah précédente déjà, et le champ, lorsqu'il sortira au Yovel, il restera avec une sainteté, Kodesh Lachem,
Kisdeh Kherem, comme le Sdeh du Kherem, c'est un Sdeh qu'on a rendu en Kherem, on en reparlera assez plus tard. Quelqu'un qui a voulu rendre son champ en Kherem. La Kohen Tiye Achuzato, et ce sera un cadeau qui sera donné au Kohen, qui sera en ce moment au Beth Amikdash, en train de faire la Mishmeret, la garde du Beth Amikdash, la famille qui est de service au Beth Amikdash, elle récupérera ce champ. Je m'explique. J'ai fini avec les psukim. Donc, on a ici deux sujets par rapport à celui qui sanctifie le champ ou sanctifie sa maison. Tu sanctifies ta maison, tu rachètes la maison, t'en payes un cinquième. Quelqu'un d'autre qui vient qui rachète, il garde la maison éternellement. Tu sanctifies ton champ, tu viens, tu rachètes. Sur le prix fixe établi, on lui prend un cinquième parce que tu es le propriétaire. Si toi tu as racheté, aucun problème, ça reste chez toi. Si c'est quelqu'un d'autre qui est venu le racheter, alors là, il y a un problème qui se passe, c'est que le champ. Après le Yovel, il doit se passer quelque chose, en fait. Mais là, ce qui va se passer, c'est que le champ, il va revenir au Kohanim. Ouais, c'est un cadeau des 24 Matnot Keuna. Les Israéliens ont lu dans Parashat Korach hier. Les Français liront ça la semaine prochaine. Donc, un des 24 cadeaux que Hachem a fait au Kohanim, c'est de récupérer justement le Sdeh Acherem, le champ qu'on a sanctifié, que quelqu'un d'autre est venu le racheter. Eh bien, celui qui l'a racheté, il l'utilisera jusqu'au Yovel, et après le Yovel, en théorie, le champ devrait revenir au propriétaire. Là, il ne reviendra pas au propriétaire, il reviendra au Kohanim. D'accord ? C'était les deux introductions essentielles à connaître, différencier la maison du champ. La Mishnah, maintenant, va nous parler encore d'une autre situation. Higia Yovel Veloniga, on parle maintenant d'un autre cas où le champ est venu le Yovel, mais le champ n'a pas été racheté. Du tout. Ni par le propriétaire, ni par une tierce personne. C'est ce que la Torah, elle m'a dit. Pour le moment, donc, on va se concentrer sur le champ. C'est important d'introduire la maison, parce qu'on aura besoin pour apprendre, selon les deux avis, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Mais pour le moment, on parle du champ. Donc, je reprends. La Torah, elle a dit, tu sanctifies ton champ, tu le rachètes toi en jetant un cinquième. Tu payes pas toi le cinquième. Quelqu'un d'autre qui vient, tu rachètes pas toi. Quelqu'un d'autre qui vient, qui rachète à ta place, il exploite le champ jusqu'au Yovel. Vient le Yovel, ça revient en Kohanim. Mais regardez, dans quelle situation la Torah, elle a parlé. Lorsque une tierce personne est venue le racheter, c'est-à-dire, on va illustrer ça en chiffres. Alors, il y avait ici un prix à payer, une compensation, une contrepartie de 20 000 shekels à payer pour le champ. Ouais, enfin, moderne quoi, enfin, un shekel khadash. À l'époque, c'était 50 shekels maximum pour les 50 ans, mais c'était une pièce qui était beaucoup plus chère. En tout cas, il y avait donc l'équivalent de 10 000 shekels à payer au Beth Amikdash. Et lorsqu'une personne va venir, va racheter ce champ, alors il va payer les 10 000 shekels au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, lui, Baruch Hashem, il s'est fait son blé, il s'est fait son argent, il a gagné. L'autre, il a récupéré un champ, il va l'exploiter pendant jusqu'au Yovel, jusqu'au 50 ans. Après, ça revient en Kohanim. Mais qu'est-ce qui se passe si le Gizbar, le trésorier, n'a pas réussi à vendre le champ pour X ou Y raison, il l'a pas remis en vente, ça a traîné, peu importe. Est venu le Yovel, qu'est-ce qu'on fera dans cette situation ? Est-ce que le champ, on le donnera directement au Kohanim ? Pourquoi pas, vous allez me dire, il y a un problème, c'est que si vous le donnez au Kohanim directement, ben, le Beth Amikdash, il n'aura rien gagné de ce Hekdesh. Il y a ici M. Reuven Israël qui a sanctifié son champ pour le donner au Beth Amikdash. Le trésorier du Beth Amikdash, il l'a reçu, il n'a pas le temps d'en profiter, qu'il a déjà refourgué au Kohanim sans recevoir de contrepartie. On a perdu le but, quoi. On devait tirer de l'argent pour le Beth Amikdash, ça, c'était l'acte de celui qui a sanctifié son champ. Il a voulu faire un don au Beth Akabait, à la trésorerie du Beth Amikdash, et la trésorerie n'a rien gagné. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est la problématique de la Mishnah. Igia Yovel Veloniga'ala. Est venu le Yovel et le Sadeh, le champ n'a toujours pas été racheté. Qu'est-ce qu'on fera ? Akohanim Nichnasin le Tocha. Eh bien, les Kohanim s'en empareront, ils le prendront, tout comme tout champ qui revient en Kohanim. Mais quoi ? Venotnim et Tamea, mais devront eux payer la valeur du champ. Livré Rabbi Yehuda. Tel est l'avis de Rabbi Yehuda. D'accord ? On expliquera après les raisons. D'abord, je préfère juste avoir Rabbi Yehuda d'un côté et Rabbi Shimon de l'autre. Rabbi Shimon Omer, non. Rabbi Shimon, il pense que ce n'est pas comme ça. Nichnasin, devront rentrer les Kohanim. Ils récupéreront le champ. Il leur sera fait cadeau. Avalonotnim, ils donneront rien du tout. Ça leur revient de droit. Tout ça, c'est déduit d'une Xera Shava. Il y a marqué Vaya Sade Vetseto Bayovel Kodesh. Voilà, ici, vous avez ça, Betseto Bayovel Kodesh. Et dans la maison, il y a marqué Kegjijel Beto Kodesh. Ma Bait Lotetse Miyad Egdesh Belodamim. On déduit de ça, c'est-à-dire la halakha du Sdeh Achuza selon Rabbi
Yehuda, qui dit que les Kohanim doivent payer, c'est déduit de la maison. La maison, on a vu qu'il n'y avait pas du tout, ça revient jamais au Kohanim, la maison. La maison, c'est le bien du Hekdesh, jusqu'à que quelqu'un vienne la racheter. Lorsque quelqu'un viendra la racheter, que ce soit le propriétaire ou quelqu'un d'autre, on lui donnera, il restera éternellement dans cette maison. Eh bien, on apprendra aussi qu'il en va de même du fait qu'il y a le mot Kodesh Kodesh. On apprend aussi que finalement, on apprend un principe de là-bas, que le Hekdesh, il ne ressort jamais les mains dans les poches d'un bien qui a été légué au Hekdesh, devra toujours au Beth Amigdash, devra toujours récupérer la contrepartie. On apprend ça à la Xerah Shabbat pour te dire que finalement, dans cette situation où le champ n'est pas encore revenu au Kohanim, eh bien, les Kohanim devront certes le prendre parce que la Torah, elle a donné au Kohanim, elle a fait cadeau du champ au Kohanim. Mais, en cas d'avoir, ça n'existe pas une chose pareille que l'on fasse sortir quelque chose, un bien du Hekdesh, sans payer la contrepartie. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Tandis que Rabbi Shimon, il apprend Kodesh Kodesh d'une autre source. Il apprend cette fois-ci de Kivse Atzeret que les matnot Keuna, quand on fait un cadeau au Kohen, c'est pas un cadeau empoisonné. T'étais gentil, tu m'as acheté une Rolls que je dois payer ensuite. C'est pas un cadeau. Tu m'as fait cadeau d'un champ que maintenant je dois racheter. C'est pas un cadeau. Il apprend ça de Kodesh Kodesh de Kivse Atzeret. Il y a une Xerah Shavah pour t'apprendre que non, quand tu fais un cadeau au Kohanim, c'est un cadeau parfait. C'est pas où il doit laisser sa carte de crédit ensuite pour régler quelque chose. D'accord ? C'est l'avis de Rabbi Shimon et de Rabbi Yehuda. Voilà pour les deux premiers avis. Rabbi Eliezer, lui, il a une toute autre approche. Très simple. Comme ce qu'on a vu dans les psukim. La Torah, elle a dit, tu sais, lorsque tu sanctifieras le champ, eh bien, tu pourras toi le racheter. Et si c'est quelqu'un d'autre qui va venir le racheter, alors il le prendra et il exploitera jusqu'au Yovel. Il y en a à Yoël et les Kohanim s'en le récupéreront. La Torah, elle a donné au Kohanim que lorsque quelqu'un est venu racheter. Mais si personne n'est revenu racheter, ben ça restera le bien du Hekdesh. Pourquoi est-ce qu'il faut se torturer la tête à réfléchir qu'est-ce qu'on fera lorsqu'on donnera au Kohanim, est-ce qu'ils devront payer la contrepartie? Il n'y a pas de Kohanim. La Torah, elle a parlé des Kohanim que lorsque quelqu'un d'autre est venu racheter. Alors maintenant, les Kohanim diront, tu sais, lorsque tu achètes un champ, normalement, il doit après Yoël, il revient à son propriétaire. Ben maintenant, c'est nous les propriétaires. Mais lorsque le champ n'a pas du tout été racheté, pourquoi est-ce qu'il faut absolument le donner au Kohanim? Ça n'existe pas, ça. Eh bien, on relancera pour le prochain Yovel. On attendra que quelqu'un vienne le racheter. Et lorsqu'il le rachètera, alors le Yovel d'après, ça reviendra au Kohanim. Et si personne ne reviendra le racheter, eh bien, on attendra de nouveau le Yovel d'après. D'accord? Parce que le droit des Kohanim ne commence qu'à partir du moment où le champ a été racheté. Et c'est ce que la Mishnah me dit, comme ça, Rabbi Eliezer, mais Rabbi Eliezer enseigne. L'onichnasin, l'onotnim, les Kohanim ne rentrent pas dans ce champ. Et il ne paye rien. Et la nikret, c'est des retouchines. Ce champ-là, ça s'appellera un champ délaissé, qui n'a pas eu de suite, un champ abandonné. Et Mabani Brouta, Shahi, rapporte Rashi, le Barthénois. Ada Yovel Ageni, donc c'est un champ délaissé, jusqu'à quand on va entrer maintenant dans la période du deuxième Yovel. Et là, le Gizbar, donc il attendra un an, j'imagine, parce que pendant le Yovel, je pense qu'on ne va pas le vendre. On attendra qu'on démarre maintenant le prochain Yovel. Et le Gizbar, le trésorier de Benaminach, le vendra, trouvera un Israël qui veut exploiter un champ maintenant pour 50 ans. Et puis après les 50 ans, ça reviendra à Konim. Ada Yovel Ashani. Maintenant, Iga Yovel Ashani Velon Igala. Si le deuxième Yovel, le deuxième jubilé, est arrivé et que le champ n'a toujours pas été racheté, eh bien, rien de grave. Nikret Retouché Retouchin. Le champ s'appellera un champ délaissé de chez délaissé. Un super délaissé. Abandonné. Ada Yovel Ashishi, jusqu'à qu'on rentre dans le troisième Yovel. D'accord? Et les Ola Mena Kohanim, quel est l'intérêt? On va préciser après. D'abord, je finis la phrase. Les Ola Mena Kohanim Nichnasin Netocha. Pour retenir cette règle, la Mishnah t'enseigne. À jamais, les Kohanim n'entreront dans ce champ, ne sont pas ronds du champ, ne recevront le champ en cadeau. Ad Sheiga Alena, jusqu'à que quelqu'un vienne le racheter. Parce que le droit des Kohanim ne commence qu'à partir du moment où il y a une tierce personne qui est venue racheter. Entre parenthèses, quel est l'intérêt d'appeler le champ délaissé ou pas délaissé? Le Tiferet Israël nous rapporte ici, Veniket Beshemkar, Kedeshetie Yedoua Venikeret, Shekshegalena Acher, Tetzel Akohanim Bayovel. L'intérêt de donner ce nom de champ délaissé, qui sait, de manière à ce que les gens vont. Le bruit qui va courir dans la rue, c'est qu'il y a un champ délaissé. Quel est l'intérêt? De manière à ce que les gens qui vont venir le racheter, ils vont bien réaliser que lorsqu'ils vont l'acheter, ce sera jusqu'au Yovel, et qu'à partir du Yovel, il faudra le donner au Kohanim. Je n'ai pas tellement compris finalement la profondeur de ça. Je reprends ces mots, peut-être que je vais mieux comprendre cette fois-ci. Venikret Beshemkar, elle est appelée avec un tel nom, Kedeshetie Yedoua Venikeret, afin que ce chant soit bien connu et reconnu même. Shikshe Igalena Acher, Tetzela Kohanim Beyovel,
afin que lorsque quelqu'un d'autre va revenir le racheter, qu'il sache qu'elle va lui ressortir au Yovel. Je reprends, j'ai toujours pas compris, parce que de toute façon, le champ, il ressortira au Yovel. N'importe quel champ qu'on achète, il ressort au Yovel. J'ai pas vraiment perçu la profondeur du fait. Bon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.